the blanket, so it all just needs to come up to temperature a bit more and see if that problem goes away. I think that their sort of summary of yesterday is quite accurate. Pour Fernando Alonso, c'est logique, hein. Oui. Au seul 8e, j'en reviens pas. Eh oui, oui, après une voiture difficilement à caler son freinage, évidemment on perd du temps. Mais pour revenir à la consommation, moi dans mon Grand Prix de 95 que je gagne, je tombe en panne d'essence dans le tour pour entrer. Et vous saviez où vous en étiez de la consommation, justement? Vous saviez que ça allait passer juste? Je savais que ça allait passer juste parce que Gerhard Berger, quand il a fait son pit stop, à l'époque on mettait de l'essence, il est tombé en panne dans la voie des stands. C'est vrai qu'il rentre, oui. Voilà, donc il a fallu qu'on fasse démarrer la voiture. Straight line speed. Donc du coup, c'est vous étiez juste. Vous étiez juste en conso, quoi. Vraiment très très juste, et vous tombez en panne. Dans le tour de l'essence. À l'époque, ça passait. À l'époque, vous n'étiez pas obligé de ramener un litre à la FIA. Maintenant...